Les amis, pas d'enflammade, s'il vous plaît. Après avoir dit tout ça, ramenez-nous le Bayern! Ramenez-nous le Bayern! Ramenez-nous Manchester City! Eh, vous avez le droit de jubiler ce soir. Profitez, les gars. 7-0. Allez, dansons tous ensemble! Alors là, on peut le dire que l'ère Hansi Flick est définitivement lancée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça 7-0. Il manquait plus qu'un huitième but, mais ça nous a rappelé de mauvais souvenirs. Un match qui n'a jamais existé. Mais 7-0. Mais en fait, le truc, c'est que ça va au-delà du score, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis désolé, hein, les gars. Aujourd'hui, je pense que ce débrief sera avec vous assez d'émotion, je pense, avec peut-être moins de lucidité pour analyser pas mal de choses dans la profondeur. Mais ne vous inquiétez pas. Demain, on reviendra avec les enseignements. On reviendra avec beaucoup de vidéos par rapport à tout ça. Parce que là, en plus, on part en trêve internationale. On part sur ça en trêve internationale. Vous imaginez la folie. Waouh ! J'ai pas les mots. Après tout ce qu'on a subi en tant que supporter du Barça, je pense que on a le droit à ça, en fait. Même si c'est momentané, même si on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, même si on ne sait pas si c'est quelque chose qui va s'installer dans la durée, mais une soirée comme ça, c'est une soirée qui te fait plaisir, en fait. C'est tout ce qu'on demande en tant que supporter. Naturellement, il y aura les exigences par rapport au titre en fin de saison, tout ça. Mais ça, là, des soirées comme ça, c'est pour ça qu'on supporte ce club. Pour s'asseoir à la fin du match et se dire, voilà, merci, tout simplement, merci. Merci, Hansi Flick. Si je suis la direction du Barça, je ramène Xavi pour le virer une nouvelle fois. Je rigole. Doucement, je rigole. Faut respecter les légendes du club. C'est juste pour la vanne, d'accord? Venez pas essayer de me mettre dans la sauce. Je dis ça juste pour la vanne. Mais, waouh. Qu'est-ce qu'on vient de voir, les amis? C'est quand la dernière fois, parce que lorsqu'il y avait eu le 4-0, le 5-0, j'avais des personnes qui venaient me dire, c'est quand la dernière fois qu'on a vu le Barça marquer 5 buts, en fait, dans un match. 5 buts d'écart. Vous n'étiez pas au bout de vos surprises, en fait, par rapport à ce qui allait arriver derrière. 7 buts, et ça se termine 10-0, ça ne choque absolument personne. Maintenant, dites-vous, les gars, qu'à partir de maintenant, le Barça sera vu différemment par rapport aux observateurs, par rapport aux adversaires aussi. Je ne dis pas par là que ça y est, le grand Barça est revenu. Mais ça y est maintenant. Ça va provoquer quelque chose dans le monde des médias du foot, que ce soit les médias anglophones, espagnols, partout dans le monde, ça va parler. Ça, là, ça va faire parler. Ça, c'est un message que le Barça vient d'envoyer, là. Certes, tout le monde n'est pas là. Frenkie de Jong absent, Araujo absent. Il y a des joueurs, en fait, cette équipe, elle n'est pas, je veux dire, tu vois l'effectif du Barça dans la globalité. Pour moi, ce n'est pas une équipe qui est taillée pour être au maximum dans toutes les compétitions, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir faire tourner. Tu ne pourras pas aligner ce 11-là tous les 3 jours lorsque les matchs vont s'enchaîner. Ça, on en parlera après. Mais si tu réussis, je veux dire, à manager toutes ces personnes-là, tous ces joueurs-là, pour réussir à les garder comme ça, ensemble, dans des matchs importants, mais ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts. Et ce, contre n'importe qui en face, ça peut faire d'énormes dégâts. Vous savez, les amis, ça, c'est le type de match. À la fin, les joueurs, ils sont pas fatigués, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement pris du plaisir. Thierry Henry le racontait dans une interview, dans un documentaire, je ne sais plus si c'était The Ball, Pass the Ball, qu'il disait que lorsqu'ils étaient dans la Pep Team, lorsqu'ils jouaient et qu'ils mettaient des tarifs en fait à leurs adversaires, qu'à la fin des matchs, ils ne ressentaient aucune fatigue. Ils prenaient tellement de plaisir à mettre autant de buts, à surdominer autant leurs adversaires, qu'à la fin, déjà, ils ne couraient pas autant que leurs adversaires, ils les faisaient courir. Mais à la fin, en fait, tout est dans le vert, en fait. Après un match comme ça, tout est dans le vert. Physiquement, tu es au point. Mentalement, psychologiquement, tu es au point. Tu as fait le plein de confiance partout, en fait. Il y a zéro blessure. Il n'y a rien qui est aujourd'hui à retenir dans le négatif. Il n'y aura rien. N'attendez pas aujourd'hui que je vienne tirer sur quelqu'un ce soir. On n'a littéralement pas vu
Ter Stegen. Et moi, c'est comme ça que j'ai envie de voir le Barça. Quand Ter Stegen n'a quasiment rien à faire. Alors attention, par rapport à toutes les personnes qui viendront vous dire ici, ouais, ce n'est que Valladolid en face. Combien de fois on a vu le Barça la saison dernière face à des adversaires encore plus faibles que Valladolid nous pondre des bouses? Moi, je l'ai dit la saison dernière. Moi, je ne peux pas en vouloir à Xavi de ne pas sortir des masterclass face aux plus grosses équipes dans des chocs parce qu'on ne va pas se mentir, tu n'as pas de 6 et tu as des manques à certains postes dans l'effectif. Mais c'était inacceptable de voir le Barça se faire malmener par des Granada, par des équipes comme ça, même à domicile en fait, dans le jeu. Parfois, c'était tu réussis à mettre un but, deux buts, dès que tu as un but d'avance, tu recules. Pas mal de fois, on a vu le Barça comme ça la saison dernière. Alors attention, il y a eu aussi de bons matchs avec le Barça, notamment le 5-1 ou le 5-0, je pense, contre le Betis, lorsque les Joao, ils arrivent et nous vendent du rêve. Donc par rapport à ça, bien sûr, il va falloir avoir un peu de recul par rapport à tout ça, redescendre un peu, ne pas s'enflammer, comme je disais en début de vidéo, je rigolais, d'accord? Venez pas ici me dire, voilà, Martial, il s'enflamme, vous avez vu dans son débrief. Je rigolais, vous me connaissez. Mais ce que je veux dire, à la fin de la journée, ça reste quelque chose d'ultra positif, en fait. Tu ne peux pas préparer quelque chose d'une meilleure façon que ça. Dans la victoire. Et pas seulement dans la victoire, mais avec la manière. Ce soir, le Barça aura laissé encore une fois une trace dans la tête des adversaires, dans la tête des joueurs même du Barça. Ils vont se regarder dans le miroir ce soir, ils vont se dire « Ah, on est capable de faire ça. On est capable d'infliger des scores comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'on s'en priverait les prochaines fois ?» Donc il n'y a que du positif en fait les amis. Je ne sais même pas. J'ai essayé, vous savez, parce que voilà, quand tu analyses un match, tu essaies de trouver aussi dans l'esprit d'analyse la critique, essayer de trouver des choses à améliorer. Je ne trouve rien à vous dire de négatif, en fait. Bien sûr, dans la durée, il faudra confirmer, mais waouh! Waouh! Alors, ici, j'ai ramené avec moi un formulaire dans lequel je veux des signatures, parce que c'est un formulaire, en fait, de demande de pardon à Rafinha par rapport à toutes les personnes qui voulaient le vendre cet été, d'accord? Je vous le remets, en fin de vidéo, vous me le remettez, parce que je dois le déposer dans les bureaux du Barça, d'accord? Ça, là, c'est pour vous, je vais vous le donner tout à l'heure. Mais Rafinha, laisse tomber! Laisse tomber, Rafinha! Il sort ce soir avec un quadruplé, ça ne choque personne! Un quintuplé, ça ne choque personne! Il est enfin récompensé de ses efforts. Et vous savez, c'est quoi le plus drôle dans la situation avec Rafinha? C'est que on parle là d'un joueur qui a été limite fustigé par une partie de la communauté lorsque Dembélé était là. Dembélé était souvent pardonné, tout, en fait. Rafinha, lui, à la moindre erreur, c'était celui qu'on allumait, en fait. Et les gens qui voulaient son départ, ça, c'est pour vous, ce soir. Alors, attention, je ne dis pas par là que Rafinha était exempt de tout reproche dans le jeu. Parfois, c'était limité. Mais après, c'est ça aussi la différence entre Flick et Xavi. Après, Xavi avait capté, je veux dire, vers la fin, la saison dernière, comment utiliser Rafinha. Rafinha, tu ne l'utilises pas comme un ailier de débordement qui doit éliminer dans les 1 contre 1, tout ça, en fait. Rafinha, Flick a exactement capté comment l'utiliser. Et on voit le joueur qu'il est. Il a toujours été la réalité, parce qu'on l'a vu, il y avait eu des bribes de ça lorsqu'il a joué au Barça, même lorsque ce n'était pas fameux, par moments, il marquait des buts importants, il était là, il était solidaire, il apportait des choses. Il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de gâchis dans son jeu, mais là, ce qu'on voit de Rafinha, c'est qu'il est à son prime, là, il rentre en plus dans le prime de sa carrière, à l'âge où il est censé être à son top niveau. Et ce qui est encore mieux avec Rafinha, c'est qu'on parle là d'un joueur qui aime le club. Contrairement à celui qui est parti là, en disant pendant des années « Ouais, le Barça, c'est mon club de cœur » pour nous laisser comme ça et partir sans même remercier les fans et Xavi qui l'a soutenu. Rafinha, dans l'autre sens, il est là à défendre le club face à des supporters à l'autre bout du monde qui critiquent le Barça. Ça, c'est un capitaine, ça. Je suis très content qu'il soit rentré en fait dans les 4 ou 5 capitaines parce qu'il le mérite en fait. L'esprit du club, c'est ça. Quand un joueur est inscrit dans un projet et qu'il y croit et qu'il aime le club dans lequel il est, il se donne à fond, en fait. Rafinha, c'est ça, en fait. Il te donne ça du début à la fin du match. Et je suis content qu'il n'ait pas été sélectionné par le Brésil parce qu'on le sait, avec les trêves internationales, allez-vous voyager aux quatre coins du monde et revenir blessé, ça y est, on est fatigué. Donc, je suis content. Je suis très content que le Brésil ne l'ait pas sélectionné parce qu'au retour de la trêve, tu auras un Rafinha encore plus en jambes, en fait. Il sera frais. Après un triplé, après 2 passes décisives, il me semble, ouais, 2, non, une seule passe décisive, je pense que c'est Lamine Yamal qui termine avec 2 passes décisives. Mais en fait, Rafinha mérite du respect. Il mérite du respect de la part des supporters. Alors oui, même moi, j'étais dur avec lui, et moi aussi, je vais remplir le formulaire, je vais vous le remettre, il n'y a pas de problème.
Mais là, là, Rafinha, franchement, c'est devenu un leader d'attaque. Un des leaders d'attaque. Je vous l'ai dit lors de l'avant-match, que les buts, ça ne va pas être que Lewandowski. On ne va pas attendre de Lewandowski à ce qu'il marque 30-40 buts durant la saison. Il va falloir les dispatcher. Si Rafinha peut en mettre quelques-uns, si Lewandowski peut en mettre, si Lamine Yamal peut en mettre, même Olmo peut en mettre, tu dispatches en fait. Le danger vient de partout. Donc tu n'es pas obligé d'attendre d'un mec à ce qu'il te mette 40-50 buts la saison en fait, si le danger vient de partout. Et c'est ce qu'on voit. Donc franchement, merci à Flick de nous donner la meilleure version de Rafinha. Et que dire de Dani Olmo en fait? Que dire de Dani Olmo? Est-ce qu'on n'est pas là sur la recrue la plus impressionnante des dernières années au Barça, les amis? Parce que ce qu'on vient de voir sur les deux derniers matchs de Olmo, c'est n'importe quoi. J'arrive pas à réaliser le match qui vient de sortir. Il termine lui aussi avec un triplé ce soir, ça ne choque absolument personne. Des poteaux par-ci, des poteaux par-là, des contrôles dans les petits espaces, orientés dans le sens du jeu, toujours le jeu vers l'avant, les petits dribbles quand il faut, un joueur de collectif sur le but, c'est du Dani Olmo en fait. Lorsqu'il est dans la surface de réparation, lorsqu'il est dans les 20 mètres de l'équipe adverse, t'as l'impression que pour lui, le temps s'arrête, le temps, il est lent en fait. Lorsqu'il est là dans la zone des 20 mètres, Rafinha, il est encore dans ma tête, Olmo, c'est ça, c'est la qualité dans le dernier tiers du terrain, c'est ça qu'il t'apporte Olmo. Et de la consistance surtout, parce que, bien sûr, il peut rater un contrôle, il peut rater une passe et tout, mais ça sera aussi des passes risquées. Et lorsque Lewandowski est trouvé comme ça par des joueurs comme Olmo, mais il peut marquer un nombre incalculable de buts cette saison. Il va falloir juste qu'il se gère à marquer lui aussi, parce que, ouais, Lewandowski, il a du mal parfois. Il a besoin de 3 grosses occasions parfois pour en mettre un, alors que le Lewandowski Prime, il en a besoin que d'une demi-occasion en fait pour les mettre au fond. Mais voilà, il prend de l'âge, on ne va pas trop lui en demander. C'était celui qui avait, on va dire, le moins de notes positives parmi les 4 de devant. Là, on attaque, mais il a fait le boulot. Il a marqué, il a été important, il a été décisif. En fait, il n'y a personne qui a été en dessous ce soir. Personne. Vous savez, la dernière fois, je parlais de Lamine Yamal. Il y a une personne qui me disait dans les commentaires, « Ouais, t'as oublié de parler de Lamine Yamal. » La réalité, les amis, c'est que, vous savez, si vous remarquez dans mes débriefs, lorsque j'en arrive à ne pas parler constamment d'un joueur et que j'évoque juste des faits de jeu alors qu'il a été très bon, ça veut dire qu'il a tellement eu mon respect que je ne m'attarde même plus en fait à en parler à chaque week-end parce que ça, c'est le respect que Lamine Yamal, aujourd'hui, j'ai pour lui. Il a débloqué un niveau tellement élevé que c'est devenu, j'ai pas envie de dire ce terme-là parce que vous allez me dire « ouais, j'abuse ». En fait, c'était un peu comme lorsque Messi m'avait habitué à l'exceptionnel. En fait, quand un joueur t'habitue à l'exceptionnel, tu n'en parles plus, tu n'es plus autant... Je ne sais pas que je ne suis pas émerveillé, je suis émerveillé par ce que je vois par rapport à Lamine Yamal. Mais il a eu mon respect, en fait. Le respect de me dire que Lamine Yamal, c'est standard maintenant, c'est plus ça. Là, j'attends l'étape au-dessus. Parce que je sais que ça, c'est ce qu'il est censé me donner limite chaque week-end. Et c'est anormal de penser ça. Je vous le dis, ce que je pense là, le mindset que j'ai de lui à 17 piges, c'est anormal. Je ne suis pas censé être dans cet état d'esprit-là vis-à-vis d'un gamin de 17 piges. Mais il a tellement dépassé toutes mes attentes, en fait, que je ne fais qu'observer et juste profiter, en fait. Donc, je ne sais pas c'est quoi sa limite. Tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il prend le ballon, il va se passer quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous avez des gamins de 17 piges que vous connaissez qui vous procurent ce ressenti-là que moi, j'ai vis-à-vis de Lamine Yamal, au point de ne limite pas en parler lorsqu'il fait de bons matchs. Dites-le-moi en commentaire. Mais je sais que ça peut paraître bizarre ce que je dis là, mais si vous comprenez ce que je veux dire, vous avez compris. Enfin, comment ne pas parler de M. Ferran Torres qui marque et qui fait une passe décisive. En fait, Flick, il a eu tout bon ce soir. À part peut-être le fait de ne pas avoir sorti Lamine Yamal, mais même Ferran Torres, ce soir, il l'a réintégré psychologiquement, il vient de le réveiller. Là, un joueur comme ça, en sortie de bain, il rentre, il te met un but, une passe décisive. Qu'est-ce que tu veux de plus pour rebooster la confiance d'un joueur? En fait, Flick a eu tout vrai ce soir. Moi qui disais, ouais, va falloir faire tourner et tout. Là, les joueurs, ils seront encore plus frais à la fin du match qu'au début, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc, waouh, j'oublie certainement beaucoup de choses parce que je sais même... En fait, là, je vous parle, je me rappelle même plus de tous les buts. Je me rappelle du but exceptionnel de Olmo, je me rappelle du but de Rafinha sur la passe de Kubarsi. Kubarsi qui, je vous dis, je regardais le match avec mon frère. Et il me dit, lorsqu'il voyait Kubarsi en défense centrale, il me dit, parce que bon, il suit le Barça par intermittence, c'est un supporter du Milan. Il me dit, mais attends, Kubarsi, c'est pas un milieu de terrain? Pourquoi il joue en défense?
Vous captez un peu la folie? Dites-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent penser que Koubarsi, c'est un milieu de terrain, en fait. Il vient de sortir une passe décisive. Il serait capable d'en mettre plus que certains milieux de terrain en Liga. Et il est propre défensivement, il aime défendre. On a tendance à penser que, ouais, parce qu'il est, voilà, il a une belle patte, il a une belle patte, il fait de belles passes, voilà, on connaît les défenseurs de la Masia. Mais non, Koubarsi, il défend bien aussi. Alors oui, il fera des erreurs dans les matchs par-ci, par-là. Mais c'est incroyable ce qu'il réussit à réaliser, à son âge lui aussi. Donc dommage pour Bernal, parce que imaginez en fait, Bernal avec tout ça, il aurait progressé, mais encore une fois, pas la peine d'être négatif. Ils ont eu un beau message d'ailleurs pour lui en début de match. Il va revenir et le club a fait un beau geste avec lui, il va le prolonger jusqu'en 2029 il me semble. Donc il va revenir tranquillement, mais attendant, Casado, il fait un match plus que correct, Casado. Je l'ai trouvé très intéressant ce soir au milieu. Et moi, ce qui m'a encore plus surpris, c'est Eric Garcia en 6, les amis. Eric Garcia en 6. Allez vous refaire le match, mais Eric Garcia, ce soir, peut-être que c'est Busquets, c'est prime, je sais pas. Non, je rigole, j'abuse. Mais Eric Garcia en 6, il a été exceptionnel sur son entrée. Alors, encore une fois, l'équipe de Valladolid est un peu, on va dire, disloquée. Ils attaquaient un peu n'importe comment. Mais le contrôle orienté pour se retourner, tuer le pressing. Je pense d'ailleurs que sur le but de Rafinha, le troisième, je me demande si c'est pas Eric Garcia qui récupère le ballon et qui lance comme ça. Mais... waouh. Est-ce que c'est mon Barça, ça? Est-ce que c'est mon Barça, ça, les amis? Encore une fois, la saison, elle est extrêmement longue. On ne va pas s'enflammer et dire que ça y est, le Barça est de retour. Mais les gars, pendant les deux prochaines semaines, là, au moins, on va kiffer, en fait. On a hâte de retrouver le Barça. Et ça, déjà, c'est une victoire pour Hansi Flick. Merci, Hansi Flick. Merci. Et vous savez, la preuve, lorsque j'ai demandé à la mi-temps, pour c'est qui l'homme du match, c'est qui l'homme de la mi-temps, j'étais incapable de me dire sur Twitter, c'était qui pour vous? Chaque fois, ça me donnait un nom différent, ou alors ça me disait, j'ai du mal à sortir un joueur. Ça veut dire que la prestation collective a été largement au niveau, en fait. Et ça, lorsque c'est comme ça, c'est le coach le premier responsable de ce qu'on vient de voir. Donc franchement, merci Hansi Flick de me redonner goût au football, de me redonner goût, en fait, au Barça. Parce qu'il y a pas mal de fois, je vous l'ai dit la saison dernière, moi, c'est pas que j'aime venir ici vous faire des débriefs en mode dépressif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient la saison dernière ici, « Ah, Massiane, on aime plutôt trop te suivre parce que t'es dans tes débriefs, tu es beaucoup trop négatif, parce que tu n'es pas content, les amis. » Ça ne me fait pas plaisir de venir vous faire des débriefs ici, c'est juste que j'ai de l'exigence pour mon club. Je veux que mon club, alors attention, je ne vais pas demander à ce que le Barça me mette des 7-0 tous les week-ends, mais juste que mon club me donne du plaisir. Même si tu gagnes, même sur les victoires 2-1 là, depuis le début de la saison. Je vous disais que j'étais satisfait. J'aimais ce que je voyais. Il y avait encore des choses perfectibles. Mais j'aimais ce que je voyais. Et je voyais le potentiel que ça pouvait donner. Parce que ce 7-0, là, on va pas faire semblant qu'on le voyait pas venir. Alors, je dis pas par là qu'on voyait le Barça gagner 7-0 ce soir. Mais avec le nombre, le volume d'occasions que le Barça se créait durant les trois premiers matchs, notamment en deuxième période, on savait que tôt ou tard... Je vous ai dit avant le début de la vidéo, sur l'avant-match, pardon, que les buts, c'est comme le ketchup. Si vous avez la référence, vous avez la référence. Une fois que tu commences à en planter, quand tu t'en procures beaucoup de situations d'occasion, tu finiras par marquer. Il y a beaucoup trop de talent dans cette équipe pour ne pas marquer beaucoup de buts. Donc ça me frustrait la saison dernière de voir le Barça. Je vous le dis, j'en suis même arrivé au point de regarder, en fait... La meilleure attaque de la Liga versus les meilleures défenses pour comptabiliser les différences de buts. Et ça me dérangeait de voir. Ça fait trop longtemps que je ne vois plus le Barça dans les meilleures attaques ou la meilleure attaque de Liga. Souvent, le Barça, c'est souvent la meilleure attaque de Liga. Et ces dernières années, ce n'était pas le cas. Donc, un 7-0 comme ça, encore une fois, tu envoies un signal très fort. Bref, les amis, on va s'arrêter là parce que la vidéo, sinon, elle sera très, très, très longue. Demain, on reviendra sur les enseignements parce qu'il y a énormément d'enseignements. Je vais me poser à tête reposée parce que, encore une fois, ça, c'était un débrief avec beaucoup d'émotions à chaud, juste après le match. Là, je vais me poser. On va essayer d'être beaucoup plus lucide par rapport à ce qui vient de se passer. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne, les amis. Ça me soutient énormément. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne secondaire, Massiane TV Documentaire, que je vous mettrai en description. Si vous voulez me voir me faire renverser en judo, allez voir, la vidéo est déjà en ligne. Je vous mettrai encore une fois en description. On se retrouve, les amis, demain pour les enseignements. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.